Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commencer à comprendre. Nous sommes aujourd'hui à Renac et nous allons parler d'un nouveau sacrement. Nous allons parler du sacrement de la réconciliation. Qu'est-ce que le sacrement de la réconciliation ? Le sacrement de la réconciliation avec l'onction des malades forme l'un des deux sacrements de guérison. Lors du sacrement de la réconciliation, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander pardon pour toutes les offenses que nous avons pu commettre à son égard, à l'égard des autres et même à l'égard de nous-mêmes. Lorsque nous demandons le sacrement de la réconciliation, nous demandons à recevoir l'absolution, c'est-à-dire le pardon que Dieu nous donne par amour et par miséricorde. Mais plus encore, lorsque nous recevons ce sacrement, Dieu nous donne les grâces nécessaires pour que nous puissions continuer à avancer à la suite du Christ sur le chemin de la sainteté. Qui peut recevoir ce sacrement ? Tous les baptisés catholiques peuvent prétendre à recevoir le sacrement de la réconciliation. Mais il y a tout de même deux conditions importantes. La première, évidemment, c'est de regretter le péché qui a été commis, c'est-à-dire de venir se confesser avec un cœur contrit. Et la seconde condition, eh bien, c'est au moment où nous nous confessons d'avoir la ferme intention intérieure de ne plus retomber, de ne plus vouloir pécher. En fait, le plus important, c'est qu'au moment où nous recevons le sacrement de la réconciliation, nous fassions place nette dans notre cœur pour que le Christ puisse venir pleinement remplir ce cœur avec sa miséricorde et avec les grâces de guérison dont nous avons besoin. Quel péché devons-nous confesser ? La réponse est simple, claire, nette et précise. Tous, nous devons confesser tous les péchés que nous avons commis depuis notre dernière confession. Pour cela, il est bon de se préparer avant, de faire ce que l'on appelle un examen de conscience. Tu peux par exemple t'aider des 10 commandements, des 7 péchés capitaux ou encore de 3 questions toutes simples mais qui recouvrent toutes nos relations. Que puis-je dire de ma relation à Dieu ? Que puis-je dire de ma relation aux autres ? Que puis-je dire de ma relation à moi-même ? Comment fait-on pour recevoir le sacrement de la réconciliation ? On ne peut pas s'auto-confesser, mais on ne peut pas non plus se confesser à n'importe qui. Alors il faut demander à un prêtre ou un évêque, ou même au pape, si jamais tu as l'occasion de lui demander, de te confesser. Eux seuls ont reçu le pouvoir de dispenser le sacrement de la réconciliation. Tu peux te confesser dans un lieu spécialement conçu pour, comme le confessionnal. Mais tu peux bien sûr te confesser partout. Le plus important, c'est que tu sois à l'aise et que ce que tu confies au Seigneur, par l'intermédiaire du prêtre, puisse rester secret. Parce que tu ne le sais peut-être pas, mais tout ce que tu dis au prêtre dans le cadre de la confession restera secret pour toujours. En aucun cas, pour la chose la plus petite soit-elle, un prêtre ne peut révéler ce qui a été dit au cours du sacrement de la réconciliation. Le silence du prêtre est un silence absolu. Comment se déroule ce sacrement ? D'abord, il faut que tu signales au prêtre que tu désires te confesser. Pour cela, il y a une formule que l'on utilise généralement, c'est la suivante. « Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché. » Le prêtre te dira alors que tu peux exprimer au Seigneur les péchés que tu désires lui confier. Ensuite, le prêtre pourra revenir à l'aide de la parole de Dieu sur l'un ou l'autre point pour t'aider à avancer. Il pourra également te donner une parole d'encouragement ou encore attirer ton attention sur un point précis. Toujours est-il que le prêtre est toujours là pour t'aider à avancer spirituellement dans l'amour de Dieu. Enfin, tu pourras réciter ton acte de contrition. Si tu ne le connais pas, ce n'est pas très grave. Dis-le tout simplement au prêtre et tu pourras le réciter avec lui. Quand ce sera fait, le prêtre étendra alors les mains sur toi et il prononcera les paroles de l'absolution. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous accorde le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés.
Enfin, le prêtre te proposera d'accomplir une pénitence. Une pénitence, c'est quoi? Eh bien, c'est un acte que tu vas pouvoir faire pour remercier le Seigneur, pour lui rendre grâce pour le pardon qu'il vient de te donner. Et c'est également un moyen, eh bien, de réparer l'injustice qui a pu être commise, peut-être, par le péché que tu as commis. Quels sont les effets de ce sacrement? Le sacrement de la réconciliation, comme son nom l'indique, nous réconcilie avec Dieu. Par la réconciliation, nous restaurons notre lien de fils et de fille de Dieu. Nous recevons la miséricorde de Dieu, une miséricorde qui nous nourrit et qui nous aide à sortir de nous-mêmes pour que nous puissions à notre tour aimer notre prochain, pour que nous puissions à notre tour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et lors de ce sacrement de la réconciliation, nous recevons également les grâces dont nous avons personnellement besoin et que le Seigneur connaît. Que ce soit une grâce de force, que ce soit une grâce de consolation, que ce soit une grâce de guérison intérieure. Dieu ne se lasse jamais de nous serrer dans ses bras avec amour à chaque fois que nous lui demandons pardon. Alors n'ayons pas peur, de demander ce sacrement de la réconciliation. C'est un moment particulier où l'on peut toucher à la grandeur de Dieu et à son amour miséricordieux et infini. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à en savoir un peu plus sur ce très beau sacrement, qui est le sacrement de la réconciliation. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez aussi bien sûr commenter et liker, n'hésitez pas, surtout partager autour de vous. Allez, moi je vous dis, kenavo, et à bientôt.